Nous sommes parvenus, chers amis, aujourd'hui dans notre troisième présentation dans le cadre des 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous voulons avec vous considérer les pieds du souverain sacrificateur, les pieds nus. Le texte pour aujourd'hui est tiré du livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 5. Et voilà ce que dit le texte, Exode chapitre 3, verset 5. « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dieu avertit Moïse de ne pas s'approcher de façon irrévérencieuse. L'enlèvement des chaussures symbolisait, vous comprenez bien, l'attitude respectueuse nécessaire à la véritable adoration. Un profond sentiment de révérence doit caractériser tous ceux qui entrent en la présence du Très-Haut. Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher du Seigneur avec assurance, mais cependant sans hardiesse présomptueuse, et non comme si nous étions à son niveau. Il y a des gens qui parlent au Dieu grand, saint et redoutable, qui habite une lumière inaccessible, comme s'il s'adressait à un égal ou même à un inférieur. D'autres se comportent dans sa maison comme ils n'oseraient pas le faire dans la salle d'audience d'un prince terrestre. Tous ceux qui sont véritablement conscients de la présence de Dieu s'approche de lui avec une sainte révérence, en se prosternant humblement devant lui. Cette qualité que représente l'humilité ne rabaisse ni le niveau intellectuel, ni même les aspirations de ceux qui la possèdent réellement. Au contraire, chers amis, elle ne les rend pas lâches ou ne les amène pas à fuir leur responsabilité dans la crainte de ne pas s'en acquitter convenablement. Pas du tout. Au contraire, une personne vraiment humble accomplit les desseins de Dieu en comptant sur son secours. Il accorde, vous le comprendrez bien, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. » Le Seigneur travaille avec qui il veut. Parfois, il choisit les instruments les plus modestes pour réaliser une grande œuvre, car c'est dans la faiblesse humaine qu'il fait éclater sa puissance souveraine. Nous avons un critère personnel auquel nous mesurons la valeur de chaque chose. Mais Dieu juge tout autrement que nous. Ne pensons pas que ce qui est grand à nos yeux soit obligatoirement grand aux siens, que ce qui est petit à nos yeux le soit également aux siens. En fait, se vanter de ses mérites personnels est un acte déplacé. La récompense n'est pas donnée à cause des œuvres, de crainte que quelqu'un ne s'en prévale, mais par pure grâce. Il n'y a pas de religion dans la glorification du moi. Celui qui s'exalte lui-même se trouvera privé de la grâce qui assure son efficacité au service du Christ. Celui qui se laisse aller à l'orgueil ou à la présomption n'accomplira qu'un travail défectueux. Celui qui est réellement chrétien dans sa vie privée, dans ses luttes quotidiennes contre le moi, et qui l'exprime par la sincérité et la pureté de ses pensées, par sa douceur sans la provocation, par sa foi, par sa piété et sa fidélité dans les petites choses, celui qui, dans son foyer, reflète le caractère du Christ, celui-là peut être plus précieux aux yeux de Dieu que le missionnaire ou le martyr mondialement célèbre. Humiliez-vous
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le ciel tout entier entre en partenariat avec ceux qui viennent à Christ pour obtenir la vie éternelle, se soumettant à lui, ayant tout abandonné à Dieu. Dieu, chers amis, requiert de ses serviteurs qu'ils se tiennent sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel, s'efforçant par sa puissance de garder les principes de vérité pure et non corrompus. Ils ne doivent jamais se détourner du sentier de l'abnégation et de l'humilité que tout véritable chrétien doit fouler. En coopérant ainsi avec Dieu, le Christ, l'espérance de la gloire, prend forme au-dedans d'eux, revêtus de sa douceur et de son humilité. Ils mettent leur plus grand plaisir à œuvrer à son service. L'ambition terrestre cède alors la place au désir de servir le Maître. Chers amis, nous devons aujourd'hui nous rapprocher de Dieu et nous assurer que ni l'égoïsme, ni l'esprit d'indépendance ferme la porte au cœur à Jésus, lui disant « Je ne veux point suivre tes voies, mais mes propres voies. » Humilions-nous donc sous la puissante main de Dieu et il nous les élèvera. Les confessions simples, sincères de l'endurcissement de notre cœur, de notre mondanité, de notre amour, de la vanité et du plaisir seront entendues de Dieu et nous percevrons ces péchés comme ils paraissent aux yeux de Dieu, un Dieu qui est saint. Le Seigneur choisit des hommes qu'il emploiera dans son œuvre aussi longtemps qu'ils se laisseront utiliser selon son bon plaisir. Jamais il n'emploiera quelqu'un qui cherche à humilier son prochain. D'ailleurs, il nous dit « Humiliez-vous, frères, car vous permettez ainsi aux saints anges de communiquer avec vous et de vous placer en position avantageuse. » Alors, au lieu d'être défectueuse, notre expérience débordera de bonheur. Cherchons à nous mettre en harmonie avec les directives de Dieu. Et il nous donnera accès à l'influence de son Saint-Esprit sur notre cœur. Je voudrais donc vous inviter à louer de cette réflexion, à prier le Seigneur pour qu'il nous accorde justement d'avancer en sa présence, dans cette posture de révérence, les pieds nus, mais le cœur nu, l'âme à nu, pour qu'il nous lave, pour qu'il nous purifie et qu'il nous accorde sa grâce. Voulez-vous prier avec nous, chers amis? Faites-le. Père éternel, nous sommes devant toi comme des livres ouverts. Comme Moïse, nous voulons nous approcher de toi avec révérence, avec respect, conscient de notre état d'être hommes et femmes pécheurs. Accorde-nous, nous t'en prions, Seigneur, ton pardon, ta grâce. Et aide-nous, Seigneur, à t'honorer, à te glorifier par notre attitude, par notre comportement. Que partout où nous sommes, nous puissions élever ton nom et que ceux qui ne te connaissent pas reconnaissent et découvrent que tu es le seul vrai Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Accorde à ceux qui vivent avec nous ces 10 jours de prière une bénédiction spéciale. Visite chaque maison, chaque foyer, chaque famille, chaque communauté d'église. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité, parce que tu es le seul vrai Dieu. Merci de nous exaucer. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voulons, chers amis, vous remercier d'avoir partagé avec nous ces 10 jours de prière dans ce 3e jour. Nous vous invitons à continuer à rester branchés, sachant que Dieu a une bénédiction en réserve pour chacun d'entre vous. À très bientôt.